Salut à tous, c'est Nem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série. Et oui, ça y est, on reprend les vidéos YouTube. Donc, on va créer du coup un nouveau monde. Et puis, je vais vous expliquer juste après un peu le concept de la série. Donc, on va créer du coup un monde tout à fait normal. Et donc, on est dans la nouvelle série Dragon Hug. Ok. Donc, on va y mettre un petit espace parce que c'est cool les espaces. Et ça y est, du coup, on va créer en survival et on va pas mettre de bonus. On va faire, voilà, un peu un biome tout à fait normal. Et donc, on est bon et on va pouvoir créer du coup le nouveau monde. Ok, bon, bah ça y est. Nous revoilà dans Minecraft. Enfin, ça faisait quand même pas mal de temps que j'ai pas tourné sur Minecraft. Voilà, donc la map est en train de se générer. Bon, et ben c'est super. On va donc pouvoir démarrer. Donc je vais vous expliquer un peu le concept pendant que je commence hein, à récupérer du bois, tout ça. En même temps, tout ça, vous avez l'habitude, vous connaissez. Donc, quelle est cette série? Alors, ouh là là, tu te calmes. Alors, okay. Donc ce sera peut-être un peu mieux. Ok, donc du coup, ça vient d'un aveu de ma part. Je n'ai jamais, et regardez-moi. Je n'ai jamais fini Minecraft de manière legit. Donc, la série Dragonhug, c'est du coup en 1.7.10, on va battre, d'ailleurs, au passage, 1.7.10, mais meilleure version de Minecraft. Donc, on va battre l'Under Dragon, je l'espère. Voilà, parce que je ne l'ai jamais fait, je me suis dit, ce serait bien de le faire en vidéo. Voilà, tout simplement. Ok, donc comme vous le voyez, on débute. Hein. Qu'est-ce qu'on a de spécial? Alors je vais essayer de regarder un peu, petit peu plus loin. Ok. Est-ce qu'il y a un biome sympa dans le coin? Ok, bon. Je sais pas vers où on va s'établir. Je vais récupérer les citrouilles qu'il y a là. Parce que elle m'a l'air super sympa quand même. Ça pourra faire office de décoration. Ok. Ok, donc on va pouvoir aller un peu plus loin. On va se faire une hache, on va récupérer quand même une petite quantité de bois. Enfin, bon, tout ça, vous avez l'habitude, hein, vu les nombreux Let's Play Minecraft qui existent dans le monde. On va pouvoir faire un début, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Hein. Donc on va se faire une petite hache. Voilà. Ok. Je note qu'il y a des moutons. Ok. Alors, donc du coup, on va lancer une nouvelle série. Alors, je sais pas du tout quelle sera la fréquence d'apparition des épisodes. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça me fait vraiment plaisir de retourner. C'est quand même quelque chose qui me plaisait énormément à l'époque. Mais bon, après, les études font qu'on a un peu moins de temps. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. Tout simplement. Au passage, j'ai un nouveau micro. Voilà, je sais pas si ça s'entend. Enfin, je l'espère. Voilà, un nouveau micro casque. Donc voilà, il est super sympa. Enfin, même. En même temps, c'est un Kraken. Je sais plus exactement le combien. Bref, le tout nouveau Kraken. Voilà, il est. En tout cas, il est super. Voilà, je vous le conseille au passage. Et vous avez en direct le test micro. Hein. En même temps. Ok, donc voilà, on va pouvoir aller s'enterrer et commencer à récolter un peu de ressources. Ok, bon. Encore un chouïa, et on va pouvoir trouver. On va se mettre peut-être dans les hauteurs. Et j'espère que dans le futur, on aura un biome Mesa. Parce que je trouve le biome Mesa, enfin, je trouve que le biome Mesa, c'est le meilleur biome du monde. Voilà, donc du coup. C'est trop cool. Ok, alors on va se faire une épée pour taper les moutons. Je le rappelle, les moutons c'est gentil, faut pas leur taper dessus. Mais bon, là ça compte pas. Ok, donc voilà un peu de laine. Donc on pourra se faire un lit en plus, ça nous fera déjà un peu moins de problèmes durant la nuit. Ok, tac. Il n'y en a pas un seul qui me donne de la viande. Tant pis.
Ok. Serait bien aussi qu'on trouve du blé, du moins qu'on récolte des graines pour pouvoir se faire. Oh là là, beaucoup trop fort. On va se faire. On va essayer de se faire un champ, ce serait sympa. Ok, bon, ça y est, on commence à avoir 2-3 graines. Je vais aller du coup en direction de la plaine parce que c'est le mieux. Voilà, on a des vaches, ça va être sympa. Rien que pour la nourriture, c'est déjà une meilleure idée. Voilà, pour le début. Par contre, il y en avait combien là? 3, 4, 5, 6. Il y en avait 7 au même endroit. Mais what? Mais c'est. Je sais pas ce qui se passe dans ce monde, mais il y a beaucoup de vaches. Bon, bah on va se mettre par là, hein, c'est sympa. Ok, bon, bah c'est sympa. Donc, on va commencer par se faire. Alors, je pense que je vais directement commencer par une structure extérieure. Voilà. Hop. Donc, on va faire ça. Hop. On va faire quelque chose de très simple, hein, parce que moi et la déco, c'est vraiment quelque chose. Pas qu'il me plaît pas, hein, mais je suis pas très bon. On essaiera de faire des beaux trucs. Et sinon, j'appellerai à l'aide envers Nexo. Au passage, envers Nexo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble hein, avec Nexo, au passage. Et si vous connaissez pas Nexo, c'est un ami d'enfance. Et on a passé à peu près toute notre enfance à faire des vidéos YouTube ensemble. Et voilà, du coup. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec lui. Pourtant, on converse souvent et puis voilà. La dernière série qu'on a fait, c'était Society Rush. Et c'était, mais il y a quand même quelques temps. Hein. Donc bon. J'ai envie de vous dire, bon, ça, c'est comme ça. Hein. Donc voilà. Hop. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc je fais quelque chose de basique, mais juste pour se protéger la nuit. Et on va pouvoir ensuite. Hop. J'espère on va réussir aussi à se faire un petit enclos. Parce que du coup, ça va nous aider au niveau de la bouffe. Ok. Alors, ça, c'est très bien. Il me faudrait une porte, ça aiderait. On va le mettre plus. Quel côté? Ouais, ce côté-là. Ok. Tac. Et je vais mettre une petite fenêtre ou deux. Ce sera assez sympathique. Voilà. Ok, bon, juste histoire que ce soit un peu plus lumineux. Tac. Voilà, on va pouvoir se faire hop, deux portes. Ça se stack pas. Et bien sûr, des plaques de pression. Voilà. Par pure flemme, hein, totalement. Il m'en faut quatre. Ok. Bon. Déjà, ça c'est cool. Bien sûr, j'ai oublié de faire le sol. Évidemment. Tac. Tac, tac. Ok. En parlant de Society Rush, j'ai trop aimé de faire cette série. Après, elle a duré très peu de temps. C'est juste. J'ai continué en fait à jouer tout seul, mais j'avais perdu l'envie de tourner en fait. Et du coup, bah, c'est un peu dommage pour vous. Mais c'est vrai que bon. Je crois que, au passage, j'ai lancé cette série juste avant le bac, je crois. Je suis pas du tout sûr. Je suis pas sûr du tout. Pas du tout. Ok. C'est bon. Voilà. Donc là on est bon déjà, on va pouvoir se faire aussi un coffre. Et on aura déjà une bonne base. Donc voilà, allez, un petit coffre. On s'en fait un double, histoire de dire. Tac, le lit, évidemment. Et voilà. Et déjà. J'ai loupé quelque chose pour faire un lit. Attendez, comment fait-on un lit? Alors oui, peut-être que la laine. C'est peut-être ça. Peut-être que la laine est au-dessus, c'est plus confortable. Peut-être j'ai juste mauvais, attendez. Oui, voilà, je comprenais pas. Ouais, ok, bon. Alors, on va le mettre ici. Ok.
Et on va faire une entrée dans la mine autre part qu'ici. Je pense que ce sera un peu mieux. Hop, pourquoi pas créer un champ juste ici? Ce serait sympa aussi. Hop. Là, j'ai pas trop envie de rentrer en mine directement. Est-ce que... Ouais, j'ai un peu de viande, mais il faudrait que je la cuise. Je vais aller me faire... Ouais, on va aller dormir. Non, pas pour l'instant. Hop, on va se faire une petite pioche le temps que la nuit tombe. Et ensuite, on va pouvoir... Hop, on va pouvoir... cuire la viande, ce serait super. Voilà, au moins ça me fera ça en moins. Hop, 1, 2, 3, il en faut 9, 8. Ok. Ouais, j'arrive à laguer en local. Hein. Yes. Ok, vive les rollbacks. Ok, on est bon. Donc, on est bon. Au passage, je me demande si je suis le seul à encore jouer en 1.7.10. J'ai bien l'impression. Mais bon, ça c'est tant pis. Tac, et on a dit la viande. Voilà, donc là on va pouvoir dormir, et ça c'est cool. Ok, au moins déjà ça nous fait passer tout ça. Ok, je repop de dehors. D'accord. Ok, donc voilà. On va essayer de se créer le champ. J'ai 19 graines, bon, c'est déjà un bon début. On va continuer un peu. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir vos retours par rapport à cette nouvelle série où le but c'est quelque chose de, on va dire, hyper simple. Mais je l'ai juste jamais réellement accompli. la fin de Minecraft, c'est vraiment c'est stupide, mais je finis toujours par tricher. Et voilà, j'ai honte. D'ailleurs, cette série, j'ai failli l'appeler la Nem Aventure, voilà, en référence à la Nem Aventure que j'avais faite il y a longtemps, qui elle était elle-même une référence à la Sif Adventure, voilà, si vous avez connu. Mais voilà, du coup, hop, on commence à avoir déjà un bon nombre de graines, ce sera un bon début. Voilà, je viens de me rappeler qu'il va nous falloir une source d'eau et que je n'ai pas de seau de fer. Enfin, de seau de fer, oui. Logiquement des sauts de saut en fer. Donc bon, bah tant pis, tant pis. Ok, alors on va se faire une pioche. Pourquoi pas deux, parce que ça va vite se casser. Hop, voilà. Et puis on va retourner à ce beau cube. En même temps, faut pas espérer mieux venant de ma part. Ok, tac, le lit de l'eau, on peut le laisser là. Hop. Ok, et donc on va se faire. Je n'ai plus de bois, déjà. Ah, c'est ok. Donc, on va se faire. Alors, je voulais faire deux pioches, mais au final, on va peut-être se faire une épée aussi. Ce sera utile, je suppose. Ok. Je vais les laisser là pour l'instant. Enfin, tranquille, du moins, pour l'instant. Et vu qu'ici on a une montagne, je me dis que ça pourrait être sympathique. Hop, tac, tac. Ça pourrait être sympathique de faire une entrée de mine ici. Je trouve que ça fait un peu plus joli. On va voir ce que ça donne. Et. Ouais, j'ai encore du bois. Je vais aller récupérer le charbon qu'il y a là-haut. Pour faire simplement des torches, ça va nous aider. Ok. Bon, en tout cas. Au passage, j'en profite pour faire de la pub pour Nemixcraft. Yes. Voilà mon serveur, si vous connaissez pas mon serveur Minecraft. On est toujours dessus en train de travailler. Voilà, les serveurs sont allumés. Et vous pouvez le savoir au passage grâce à l'application Nemixcraft. Waouh. Téléchargez-la. Elle coûte seulement gratuit sur le Play Store. Et ouais, elle est pas sur l'Apple Store, désolé, mais j'ai pas la thune, clairement. Voilà.
Tout simplement. Ok. Alors, on va pouvoir se faire. Tac. Ok. On va se faire. Voilà, un petit stack de torches. C'est très bien. Et on va pouvoir retourner chez nous. Ok. Ok, on va pouvoir rentrer en mine. On va voir ce que ça donne. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Du coup, je descends normalement et puis peut-être on fera un truc un peu plus joli. Un peu plus joli après. Mais bon, de toute façon, on va essayer de faire plus simple. Et voilà, si on peut faire un truc assez RP, une entrée de mine jolie, pourquoi pas le faire? Ok. Alors, on est couche combien? On est couche 63. Ça veut dire quand même que. D'accord, donc. Là, la terre, elle est. Enfin, j'ai fait ma maison, du coup, au niveau à peu près. À la couche 70. C'est vraiment bas, hein, je trouve. Mais bon. Ça, c'est clairement aléatoire. On va voir la suite. Ok. J'espère trouver rapidement du fer pour pouvoir faire un seau d'eau pour que ce soit plus cool niveau bouffe. Parce que là on va vite être short hein, rapidement. Ok, donc on a un filon et ça c'est cool. C'est trop bien. Voilà, en tout cas, bon, l'objectif, c'est vraiment de que j'arrive tout seul à voilà pour mes objectifs personnels à faire l'Ender Dragon. Après je pense qu'on va pouvoir aussi se créer une liste de choses à faire. Parce que je pense que ça va être essentiel. Je pense déjà à faire déjà au minimum. Bon, l'Ender Dragon, déjà, c'est un gros objectif. Hein, mais avant ça, bon. Se faire des potions, voilà, tout ça. On va voir un peu comment ça se passe. Pourquoi pas faire aussi une tour à mob. Voilà. Voilà, quelques idées que je donne. Tac. Alors, on se fait. Je sais pas pourquoi je l'avais pas benchmarking avant, mais. Tac. Alors, laisse-moi, s'il te plaît. Tac, 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 tac. Alors, oui, et au passage, désolé d'avoir laissé le F3, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est. C'est purement un réflexe, et j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Je pense que j'aurais corrigé ça au montage. Voilà. En tout cas, voilà, j'aimerais avoir votre avis du coup bah, sur cette nouvelle idée de série, parce que du coup, c'est vraiment pas prise de tête, il n'y a pas 70 modes, etc., comme j'ai pu faire dans Society Rush. C'était assez complexe. Et du coup, pourquoi Dragonhug page. Voilà le nom de la série. Je pense que. En fait, j'avais pas envie de dire quelque chose de. On va battre le dragon, etc. Bah, du coup, je me suis dit, à l'opposé, dire quelque chose de mignon, bah, je trouve ça cool. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok. Tac, bon, on commence à avoir pas mal de charbon. Déjà, ça aussi, c'est sympa. Ok. Et au niveau de la fréquence de parution, je pense que. Enfin. Voilà, je sais pas trop, hein, parce que du coup, voilà, je sais pas si vous le savez, mais je suis actuellement en études. Donc voilà, c'est vrai que avoir un peu de. Enfin, avoir de la régularité, c'est compliqué. Voilà, notamment une semaine sur deux, on peut, pendant une semaine notamment, avoir pas de devoir à faire. Et la semaine d'après, devoir recoder tout Google. Voilà, pour vous donner la charge de travail. Voilà.
Bien sûr, on ne code pas à Google. Mais voilà, c'est. Ça a totalement rien à voir au passage. Mais bon. Bref, c'est l'idée. J'entends de la lave. Ça veut dire qu'il y a. Il doit avoir. Oh, du lapis. Il doit avoir. Une cave ou. Je crois que je m'en rappelle. Alors, je vais essayer. Peut-être la trouver. Non. Essayons vers là. Ouais, je me rapproche là. Là, je me rapproche de plus en plus. Parce que si on a une cave, déjà, ce serait beaucoup mieux. Non, c'est peut-être pas de. Je dirais que c'est de la lave, mais. Ça pourrait aussi être de l'eau. Je suis pas sûr de moi. Ah, voilà, c'est bien ça. C'est bien la lave, ça m'étonnait. Okay. Déjà, ça, c'est cool. Ok. Alors, on va faire calmement. Fait trop longtemps que j'ai pas joué à Minecraft, donc je ne vais pas faire ce type de saut. Okay. Donc là, il n'y a rien d'autre. Ok, bon, il n'y a rien d'autre. C'est dommage, tant pis. Peut-être on va voir. Il n'y a pas de suite, pas de prolongement. Tant pis. Ok, on peut rebrousser chemin. Et on va redescendre, on va continuer. Hein. Alors, on est couche 25. Pas du tout. Ah! Oui, je ne sais pas utiliser mon ordinateur. Ok. Tac. En tout cas, on a récolté pas mal de charbon, ça c'est cool, mais c'était vraiment. C'était vraiment du fer que je voulais. On est couche 20. Tac. Voilà, pourquoi pas faire par exemple un kart qui descende. Voilà, y a mille et une possibilités. Et si je me trompe pas, c'est en couche 12 qu'on récupère du diamant. Je crois bien. 14, 13 et 12. Bon, ouais, essayons ici, hein, tout simplement. De toute façon, c'est aléatoire. Hein. Voilà, on va voir ça. Ok, j'entends encore une grotte. Ah, il y a un zombie. Voilà, je sais pas si vous les entendez, si vous l'entendez correctement. J'espère. Ok. Ah, on a une faille en plus. Ah oui, ça c'est super. Et je vois du fer, on est parfait. Je vais d'abord faire un petit rush. Hop. Voilà. Ok. Tac, tac, tac. Yeah. On a un petit creeper. C'est déjà un début. Ce qui est bien, c'est que déjà on a de l'obsidienne pour aller dans le nether. Mais on va pas y aller tout de suite, hein, je vous rassure. On va pas y aller tout de suite. Tac, on va manger un chouïa, ça va nous aider. Ok, tac, on va pouvoir régénérer. Tac. Ok. Bon, du coup, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le fer pour l'instant. Donc si on pouvait trouver ici. Oh, ça continue. Voilà du fer, super. Voilà, c'est pour ça que je remonte un peu parce qu'il y a un peu plus, le fer est un peu plus haut. Voilà. Tac. L'idée c'est vraiment d'avoir au plus possible du fer.
Encore un filon, ça c'est super. Ok, on va pouvoir vraiment avancer, ça c'est super. Déjà en quelques dizaines de minutes, on a déjà bien bien avancé, ça c'est super cool. Ok. Hop, encore un peu. Super. Voilà, donc du coup, voilà, une petite aventure solo, voilà, juste un peu détente. Voilà, à l'ancienne, parce que je pense qu'il n'y aura pas 30 000 montages, enfin, un montage évidemment, mais n'y aura pas un montage de type, voilà, des vidéos de nos jours. Voilà, quelque chose de plus détendu, plus relax, parce que, voilà, ceux qui aiment le calme, comme ma propre personne, oui, je dis ça, voilà, bah, clairement, c'est vrai que juste le calme est manquant sur YouTube, je trouve. Alors, si... Ouh là là. Ok. Est-ce que je vais y arriver? Ça va. On a connu pire. Notamment, tu tombes face à un exo, t'as peur. Un squelette, ça va. Ouais, j'ai de quoi encore. Je vais en profiter. Vu qu'ici il y a deux sources d'eau, je vais en profiter pour me crafter le seau d'eau. Ouais, je vais me faire un four. On va cuire ça ici, hein, c'est pas grave. Et on va se faire deux seaux d'eau, donc ça correspond à, voilà, à 6. Et ça suffira largement. Voilà. Ok. Voilà. Déjà, là, on arrive sur un bon début. Hein. Je suis vraiment content de cette avancée. Déjà, on a trouvé un terrain assez dégagé. C'est vraiment très agréable. Tac. Ok, plus qu'un seul de fer et ce sera bon. Voilà. Donc là, on va pouvoir récupérer le four. On y met du. Alors. Oui, si, ça suffit. Tac. À la limite, je récupère la table de craft. Ça sert toujours. Et voilà, on va pouvoir, oh, je pense qu'on va, on va, ah, je sais pas trop, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça fait déjà quelques temps qu'on tourne. Je, là là. Je pense qu'on va remonter et puis on va se quitter là-haut. Voilà, ce sera un peu mieux que dans une grotte. Ok, alors. D'où est-ce que je viens? Ah. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, et je viens d'un peu plus loin, si je me trompe pas. Voilà, donc je viens d'ici. Ok, bonjour les chauves-souris. Et voilà, donc on a juste à monter cette immense voilà, remonter, je sais pas, escalier. Bientôt. Et voilà, du coup, on va pouvoir faire quelque chose de très joli, voilà, pour descendre dans les grottes. Après pour le reste, je suppose que on verra au fil des épisodes. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça me fait vraiment trop plaisir de reprendre les tournages. Bien que, bon, voilà, c'est pas du style d'aujourd'hui, c'est plus. Disons que mes let's play Minecraft correspondent beaucoup plus au let's play de l'époque de Siphano. Voilà, un truc juste détente, voilà, pas avec 5 000. Enfin, pas avec une musique à donf derrière, etc. Genre. Voilà, juste de la détente et plus du repos, quoi. Ok.
On va en profiter pour éclairer tout ça. Tac. Tac. Ça va, ok. Je sais pas pourquoi est-ce que il y a des lags alors que bon, je suis en local. Pourquoi pas peut-être héberger sur serveur, au moins c'est pas mon ordinateur qui s'occupe du serveur. Mais c'est enfin, c'est vraiment bizarre, hein. Ok. Donc, ça c'est cool. Voilà, bon, et bah écoutez, il nous reste juste à mettre à cuire. Hop. Voilà, le fer. Et puis voilà, on va pouvoir conclure. Tout simplement. Et j'ai oublié de récupérer une autre source d'eau. Est-ce qu'il y en a une dans le coin? Bon. Ce sera voilà, le problème pour le prochain épisode. On va voir ça. Ok. Bon. Et on va pouvoir se faire des outils. En fer, ce sera déjà beaucoup mieux. Ok. Voilà. Allez, un dernier et je peux me faire une pioche. Voilà, bon, bah le reste finira de cuire tout seul. Ok. Allez, je me craft. Hop là, je me crafte la pioche et je pense qu'on on terminera là-dessus. Voilà. Hop. Et donc voilà. Ben voilà, c'est ok. Donc voilà, bon, bah écoutez, en quelques temps, on a déjà réussi à faire à bien avancer. On va voir ce que ça donne du coup pour le prochain épisode. Voilà, je pense qu'on va faire du coup l'agriculture. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère que le retour, mon retour entre guillemets sur YouTube après genre un an peut-être, est beaucoup plus pour un let's play. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'attends vos retours. Et puis, voilà. Je vous souhaite. Ouh là là, ma tête. Voilà, je vous souhaite du coup une agréable fin de journée ou de soirée. C'était Nem. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Et bien, écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.